Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des miroirs. Alors, ça peut prêter aussi à sourire, mais pourquoi va-t-elle nous parler de miroirs? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une histoire, on va dire, avec les miroirs, à savoir que moi, les miroirs à la maison, on n'en a pas ou quasi pas, c'est-à-dire que j'en ai uniquement dans la salle de bain. Les miroirs. Alors, moi, mon histoire avec les miroirs, déjà toute petite, je détestais les miroirs. À savoir que pourtant, j'en avais un dans ma chambre, ça je m'en rappelle, mais je le détestais. Et puis aussi, l'expérience d'un miroir qui était chez une amie, à savoir que justement, elle vivait dans une maison où il y avait beaucoup de paranormal. Et dont ce miroir, et à chaque fois que je m'installais donc dans le canapé de mon ami, hein, chez mon ami, ce miroir, j'avais l'impression que voilà, il y avait quelque chose dedans, que on m'observait, que ouais, qu'il était limite, on va dire hanté, mais qu'il était habité quoi. Et il s'avère que des années passent, etc. Et donc le père de mon ami décide de faire venir quelqu'un, puisqu'ils se sont rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup de choses qui se produisaient dans cette maison. Et la personne s'est dirigée justement vers ce miroir et fait le nécessaire justement pour que, ben, que rien de négatif en ressort, quoi. Donc il avait installé un genre de rond rouge avec un point rouge au milieu à mettre en face du miroir. Donc apparemment c'était assez négatif, hein. C'est lointain. J'avais au moins 15-16 ans quand ça s'est produit. Aujourd'hui j'en ai 37. Donc voilà. À savoir que j'ai eu pas mal d'expériences paranormales aussi sur place dans cette maison, parce que le peu de fois que j'ai dormi là-bas, c'était terrible. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, mais comment faisait-il pour vivre dans cette maison, parce qu'elle était super chargée. Donc, pour ceux qui connaissent mon histoire, au niveau tout ce qui est paranormal, etc., voilà, j'ai eu des moments où ma médiumnité était plus ou moins stagnante, ou je la repoussais, ou qui était la bien présente, ou plus du tout, ou elle était toujours là et que je ne faisais pas attention, mais voilà. Donc par rapport au miroir, c'est très souvent que quand je vois des miroirs, je me dis, oula, là, ou quand je vais dans un lieu et que je rentre et que je vois par exemple deux miroirs face à face, c'est juste horrible pour moi. Et je vais en venir pourquoi les miroirs est un petit peu, on va dire, négatif, surtout dans certains endroits. Donc, que vous ayez un miroir dans la salle de bain, soit, pas de souci. Par contre, je vais donner un exemple, les miroirs dans les chambres. Alors, moi, à savoir qu'un miroir dans une chambre, je ne peux absolument pas dormir. C'est impossible, c'est-à-dire que je fais, pardon, une nuit blanche. Pour moi, c'est rédhibitoire. On ne peut pas dormir dans une chambre avec un miroir. Donc, les miroirs, en fait, ça peut être source de vortex. Et ça peut être source donc de portail, on va dire une porte ouverte aux entités, que ça soit gentil ou pas du tout. Donc, le mieux, moi je vous conseille, surtout si vous êtes peut-être médium, etc., ou en devenir, ou en cours, ou on vous a appris voilà, que vous étiez médium, c'est de couvrir justement les miroirs si vous voulez vraiment les garder dans votre chambre, etc. Surtout quand vous dormez. Ensuite, vous pouvez les enlever, hein, voilà. Et je trouve que c'est très très important. Si essayez, hein, si vous avez des miroirs, que vous avez du mal à dormir, enlevez-les et voilà. Après, alors, au niveau des miroirs, on dit souvent que c'est un passage entre deux mondes aussi. Là, je vais vous lire un petit passage que j'ai lu dans un article.
Donc on dit, la coutume a toujours offert au miroir la capacité de faire le lien entre deux mondes, le nôtre et celui de l'au-delà, où se côtoient la magie et les morts. Ainsi, traditionnellement, lorsque quelqu'un venait à mourir, tous les miroirs de la maison étaient voilés jusqu'à ce que le corps soit enlevé par les pompes funèbres, de peur que le défunt ne voie son reflet dans un miroir et que son fantôme soit coincé à jamais dans la demeure, le miroir ayant attrapé son esprit. Il est dit de placer un miroir dans l'entrée, donc ça c'est quelque chose pareil que j'ai connu chez moi. On mettait un miroir dans l'entrée et je ne savais pas vraiment pourquoi, maintenant je sais, c'est ce qu'il dit justement dans l'article. Comme on dit que comme cela, si un esprit mauvais te suit, quand tu rentres chez toi, il verra son reflet et sera effrayé et fichera le camp. Donc sans en être conscient, pour la plupart, nous vivons en interaction permanente avec le monde spirituel. Notre univers visible n'est que la petite partie émergée d'une réalité invisible, beaucoup plus vaste. Dormir avec un miroir dans votre chambre et face au lit pourrait vous causer plus de problèmes que vous ne pensez. Il faut provoquer des cauchemars, il peut provoquer des cauchemars, vous faire souffrir d'insomnie, provoquer des maux de tête, vous rendre nerveux, il peut même vous faire avoir une mauvaise santé générale. Pour les Chinois, le miroir représente une tierce personne qui viendrait semer le trouble dans le couple, puis pour d'autres, c'est un amplificateur de cauchemars. Voilà. Et ensuite, j'avais une autre petite partie. Donc, dormir avec un miroir peut dérégler votre sommeil. Le miroir vide notre énergie. On dit dans le Feng Shui que le miroir nous renvoie notre propre énergie, ce qui fait que le sommeil n'est donc pas réparateur. Il y a des personnes qui vous diront de les garder dans votre chambre et de les mettre simplement hors de votre vue, chose que je vous déconseille personnellement de faire. Il est préférable de ne pas avoir du tout de miroir dans votre chambre. Je vous conseillerais même d'avoir des plantes. Elles absorbent les mauvaises énergies et émanent de bonnes énergies. Elles vous aideront dans votre sommeil. Si vous avez des miroirs qui sont des éléments d'armoire, donc vous ne pouvez pas vous en débarrasser, recouvrez les tissus pour ne pas qu'ils vous dérangent dans votre sommeil. Concernant les plantes, bon, ça c'est pareil, on dit souvent qu'il ne faut pas mettre de plantes dans sa chambre, c'est pas bon, etc. Donc vous voyez, un peu de tout. On n'est pas forcément d'accord sur tout, pardon. Voilà. Pareil pour les miroirs. Donc ça veut. Alors, les petits extraits viennent de arcturius.org. Voilà. Et petit conseil, certains. Dorment aussi avec des télévisions. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose, je ne veux pas dans ma chambre que ce soit là. Pour moi, c'est pareil, ça peut être une porte d'entrée. Et puis, le mieux c'est de ne rien avoir qui se reflète. Voilà. Et concernant les miroirs, moi je conseille évidemment de non seulement de ne pas en mettre dans la chambre, mais il y a aussi certaines personnes qui, dans leur d'autres pièces, hein, pas forcément dans la chambre, mettent par exemple des miroirs face à face. Donc ça, c'est pareil, c'est niette. Surtout, attention, ça peut être dangereux. Il y a aussi miroir face à une fenêtre. Donc tout ce qui se reflète, évitez de le mettre face à face, c'est un conseil. Pareil, vous pouvez avoir des petits miroirs de poche ou des petits miroirs. Ça, c'est pareil. Ce qui serait bien, c'est qu'en fait, les retourner, voilà, que pendant la nuit, j'entends, voilà, les retourner ou des petits miroirs de poche, bon, pareil, qu'ils soient fermés, etc. Ensuite, j'ai un petit article aussi, donc concernant la géobiologie que j'ai trouvé. On parle là de l'impact géobiologique dans donc des miroirs dans une chambre à coucher. Donc, le site c'est conscienceverte.fr. Donc c'est un texte venant d'un livre Votre maison est-elle nocive de T. Gauthier. Je vais vous lire les quelques lignes concernant justement l'aspect géobiologique. Donc, de nombreuses études géobiologiques au sein d'habitations accusent les miroirs et autres armoires à glace de bien des maux. Systématiquement, ceux-ci doivent être enlevés ou occultés lorsqu'ils sont placés dans une chambre. Les bienfaits de cette étrange pratique se font pourtant ressentir dès les premières nuits qui suivent la mise en application des conseils du géobiologue.
limite du géobiologie, mais c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi? Alors, la glace est en fait une antenne. Elle réfléchit les rayonnements en face d'elle et les concentre, augmentant ainsi leur intensité. Un miroir de grande dimension déplace donc le réseau Hartmann. Les lignes du réseau se rapprochent, elles se resserrent et deviennent plus nocives. Plusieurs nœuds Hartmann peuvent alors apparaître sur un lit qui aurait pu initialement être situé en zone neutre entre les mailles du réseau Hartmann. Il suffit alors de déplacer la glace pour voir le réseau Hartmann reprendre sa place initiale et perdre sa nocivité. Le miroir réfléchit les rayonnements et les concentre. On parle aussi d'une tradition, ancienne. Il est encore de coutume dans certaines régions de France de veiller dans une chambre le corps d'un défunt pendant 3 jours et 3 nuits. Les glaces, comme le veut la tradition, sont alors voilées. Si geste se perpétue sans qu'on n'en connaisse vraiment la raison, celui-ci n'est pourtant pas dû au hasard. De tout temps, les employés des pompes funèbres ont remarqué que le corps d'une personne décédée se conservait moins longtemps s'il se trouvait devant une glace. L'agressivité des rayonnements telluriques amplifiés accélérerait la vitesse de dégénérescence des cellules, d'où le voile. Donc, en conseil, donc il dit donc le géobuleux conseille d'enlever les glaces ou miroirs de grande dimension situés en face d'un lit ou sur le côté. En cas d'impossibilité, armoire à glace par exemple, voiler la glace à l'aide d'un tissu roulé en haut de l'armoire et dérouler-le chaque soir. Il y a aussi un témoignage de Monsieur et Madame M. Donc, voici les changements survenus depuis votre passage dans notre maison et plus particulièrement dans notre chambre à coucher. Après avoir déplacé le lit le soir même et enlevé la glace de l'armoire, ma femme et moi avons dormi comme avant, sauf qu'au matin, nous n'avions pas ce mal de tête habituel. Ma femme, ne supportant plus de regarder l'armoire sans glace, décide de mettre la glace près de l'armoire dans la chambre près du lit. J'accepte sans discuter, mais au matin en réveil, j'ai à nouveau la tête lourde. J'en conclus que la glace est responsable. Je la retire sur le champ. Voici un mois que notre lit a été déplacé. Notre sommeil s'en trouve mieux. Je pourrais rajouter une multitude de petits détails dans nos rapports familiaux et professionnels, en bien et sur mon comportement. Votre passage a été bénéfique. Dans vos déplacements à venir dans la région, passez à la maison où vous êtes le bienvenu. Donc en fait, en commentaire, la personne qui a écrit donc justement le livre explique que si avant de déplacer son lit, Madame et Monsieur rêvaient parfois qu'elle tombait dans son puits, c'est justement parce que son lit était situé au-dessus de la circulation d'eau alimentant le puits situé à l'extérieur. La place de l'armoire à glace située au pied du lit ne faisait qu'amplifier le phénomène. Si monsieur et madame se réveillaient encore plus fatigués qu'ils l'étaient au coucher, c'est aussi parce qu'ils luttaient contre les rayonnements de cette eau. Et si l'ambiance n'est pas toujours au beau fixe, c'est aussi parce qu'il est parfois difficile de vivre en conflit énergétique sans en avoir de répercussions dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est Thierry Gauthier qui avait écrit Votre maison est-elle nocive? Ça c'est pareil, la géobiologie c'est quelque chose que j'ai étudié il y a quelques années maintenant. Et pour conclure, moi je vous conseille vraiment donc du coup de couvrir, comme je disais, les armoires si vous ne pouvez vraiment pas les déplacer, voilà, couvrir le miroir des armoires plutôt. Et puis sinon vraiment de les enlever. Pour moi c'est sûr et certain qu'il faut éviter de mettre des miroirs dans les chambres pour un meilleur sommeil déjà pour vous et pour votre santé. Ensuite voilà, vous faites ce que vous voulez, ça ne vous coûte rien de tester et de voir justement si il n'y a pas un possible lien justement entre votre sommeil et ce miroir qui est dans votre chambre, etc. Donc encore une fois, pareil, évitez de mettre des miroir face à face, aussi également à côté de votre lit, ou carrément un miroir face à une baie vitrée, ou un miroir face à la télé, tout ce qui se reflète, c'est pas vraiment terrible, terrible, on va dire. Voilà. Donc voilà pour les petits conseils concernant les miroirs.
Encore une fois, voilà, c'est des vortex qui peuvent s'ouvrir, c'est des. Merci. Et puis, c'est aussi des, voilà, des portes d'entrée pour les entités, que ce soit gentil ou pas du tout. Voilà, donc j'espère que ce podcast ou vidéo, comme vous voulez, vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions par mail. Toutes les infos sont dans la description. Merci encore et à bientôt.